Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Cavie, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Il est 9h à Conakry, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne, Le Scanner, votre émission de débat constructif que vous écoutez du lundi au vendredi quand il est 9h sur la 89.5. Évidemment, vous nous regardez sur Cavie TV, canal 500 si vous êtes sur StarTime. Vous pouvez également nous regarder sur nos différents réseaux. Si vous êtes sur Facebook, vous nous suivez via notre page officielle groupe Cavie Média. Également sur Siam Info. Notre site d'information de prédilection que je vous exhorte. En tout cas, allez-y faire un tour. Vous verrez que nous sommes à première sur l'information. Et de l'autre côté, nous avons cette triste nouvelle à vous annoncer avant même ce sommaire. Le sommaire de ce mercredi 4 octobre 2023. Notre cher ami Yaya Diallo qui ne sera pas avec nous cette semaine. Yaya Diallo qui a perdu son enfant. Paix à son âme. Toutes nos condoléances à la famille et pleurer. Au sommaire de ce numéro de ce mercredi 4 octobre 2023, prévu hier mardi 3 octobre 2023 sur toute l'étendue du territoire national, la rentrée scolaire n'a pas connu son engouement habituel. Des établissements presque déserts avec des enseignants qui s'impatientaient. Voilà comment cette année scolaire démarre en Guinée. Un constat pas nouveau, mais le contexte actuel peut-il nous amener à croire que la crise qui mine le secteur éducatif et la conjoncture actuelle très tendue sont celles qui ont favorisé cette rentrée morose. Le point de vue de nos chroniqueurs, c'est dans ce journal, dans cette émission, j'allais dire. Justice de boussole de la transition, c'était le plus grand rêve du colonel Mamadi Doumbouya lors du coup d'état du 5 septembre 2023. Justice inféodée, procès bâclé et magistrats corrompus, le président de la transition avait affûter ses armes pour mettre fin à ces pratiques malsaines qui n'avaient que trop perduré. 2 ans de gestion, peut-on dire que l'homme du 5 septembre 2021 tient la route. Pour ce numéro, nous recevons Maître Paul Yumba Kourouma. Il est avocat et l'un des conseillers du commandant Aboubakar Sidiki Kakite, alias Toumbarek. Avec lui, nous parlerons de l'état de santé de la justice guinéenne et le traumatisme qui la guette. Vous l'entendrez tout à l'heure dans cette émission, Maître Paul Yumba Kourouma. Dans la dernière partie, nous nous intéresserons à la situation au Niger en transition depuis le 26 juillet 2023. Les autorités militaires ont accepté une proposition de médiation de l'Algérie en vue d'une situation politique à la crise, politique à la crise. Dans un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères publié lundi, il est indiqué, je cite, le gouvernement algérien a reçu par le canal du ministère nigérien des Affaires étrangères une acceptation de la médiation algérienne visant à promouvoir une solution politique à la crise du Niger. Le chef de l'État, fin de citation, le chef de l'État a instruit au chef de la diplomatie Ahmed Attaf de se rendre à Niamey dans les plus brefs délais pour y entamer des discussions avec toutes les parties prenantes vers un dénouement de crise pour le Niger asphyxié par des sanctions imposées par la CEDEAO. On en parle dans cette émission Le Scanner. Voilà pour le sommaire de ce mercredi 4 octobre 2023. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous lançons les hostilités. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Cavie, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Cavie Média. Et voilà parti pour plus d'une heure de débat avec nous, différents débatteurs sur ce plateau et dans ce studio avec moi, Ali Badara Akila, l'homme de l'Axe, l'ambassadeur de l'Axe. Bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour au gouvernement de Bernard Gomou, un gouvernement qui a pour porte-parole peu flatteur avec des comportements liberticides et des ministres appelés dames, mais absolument qui font la promotion de la nullité
surtout de cette malgouvernance des ministres satellitaires et Wikipédia de cette République, qui a d'ailleurs pour un premier ministre extraordinaire avec une pensée aussi morose qu'est la République. Bienvenue dans le pays où on fait de l'amour, mais aussi de l'autre côté, on le sodomise. Ah ouais, ça c'est acquis là, et je ne suis pas étonné. Oui, de l'autre côté. Cheikh, bonjour. Bonjour Abdallah. C'est Akila de toute façon. Et moi j'aimerais dire bonjour à la population de Kabak. Kabak, vous le savez, depuis près de 10 ans est confronté à une situation. C'est le village, c'est le village natal de ma chère mère. Donc t'inquiète pas. Alors. C'est mon village. Allez. Alors, vous le savez, cette population est confrontée à une situation très catastrophique depuis près de 10 ans. La montée des eaux. La montée des eaux de mer, et la seule digue qui servait de guide pour la population, afin, puisque vous savez, les Kabaka sont partagés entre l'agriculture et la pêche. Ouais. Et donc aujourd'hui, cet autre pan. Oui, allez. Cet autre pan de développement n'existe presque pas, puisque la digue n'existe pas. Et depuis 10 ans là-bas, on tire le diable par la queue. Mmh. Et depuis le temps Alpha Condé jusqu'ici, rien n'est fait. Ouais. Je me pose la question, est-ce que le gouvernement CNRD s'est penché à ce niveau-là par rapport à cette situation? Ouais. Et puisque là, ça ne va pas du tout. Ouais. Et il faut y réfléchir. Donc un SOS pour les habitants de Kabak, pourquoi pas dépêcher une équipe, hein, puisque nous sommes dans un média de développement, il faut voir tout cela, hein. Faire une immersion de ce côté, parce que il faut le dire que Kabak est menacé, comme tu l'as rappelé, Cheikh. Depuis des années, ça ne va pas de ce côté. On a comme l'impression que le gouvernement a oublié les habitants de Kabak, les différents gouvernements, parce que là je ne vais pas mettre ça à l'actif du colonel Mamadi Doumbouya ou du gouvernement dirigé par Bernard Gomou, mais plutôt au gouvernement, hein, mais Kassouri Fofana, Kassouri qui quand même venait de cette zone, hein, Kabak qui relève de Forikaria. Donc de ce côté, quand même, on est dans le, comment ils appellent, dans le Moria, le Grand Moria. C'est vraiment déplorable. Donc à mes tantes, mes cousines, mes oncles de Kabak, peut-être que nous sommes en route, hein, pour aller toucher du doigt ces réalités, vrai. Et il faut le dire, hein, je l'appelle comme ça, ces vraies réalités, toucher du doigt pour savoir ce qui ne va pas de ce côté, interpeller nos dirigeants. Et on va parler de ce premier sujet qui focalise le débat du jour. On parle de cette rentrée scolaire morose, hein, à Kila Ali Badara. Il fallait le prévoir, mais est-ce la conjoncture économique actuelle qui sévit dans le pays ou la crise qui mine le secteur éducatif guinéen? C'est une rentrée moins ragaillardie parce que nous sommes... Attends, tu te prépares? Oui. Après, attends, tu te prépares à affronter Polioma ou quoi? Parce que là, je ne sais pas. Non, pas du tout. En tout cas, c'est Paul Kouyomba que tu attends avec les gros mots. Vous savez, j'aime beaucoup lire les Bibles. Hein. Voilà, allez, c'est ce qui fait ça. Vas-y. C'est une rentrée moins ragaillardie et très morose. Oui. Parce que, avec ce constat alarmant, surtout avec le ministre de l'Éducation, Yahya Awing, qui n'a d'ailleurs pas cette bonne stratégie et cette réflexion de penser un peu au système éducatif guinéen, parce que c'est une rentrée scolaire quand même. Si vous prenez l'école Ahmed Sékou Touré, où il y a plus de 1009 élèves, pas seulement 53 étaient présents. Vous voyez, et Filira de Bokeh, sur 400 élèves, 4 seulement, ici également, étaient présents. Yeah. Si vous prenez le... parce que le proviseur a rappelé qu'il y avait de l'autre côté aussi, où il y avait plus de 1220 élèves programmés, mais seulement quelques-uns avait répondu dans l'école, à l'école primaire d'abord de Kankan à Misira Air Makono, Kankankura, Salamani, Senkefara. Dans chaque établissement, on ne comptait qu'un seul élève. Ça veut dire que la rentrée, elle est morose. Pour finir, au lycée Rogomburo de l'Abbé, le censeur a rappelé qu'ils ont commencé les cours, mais aucun élève n'était aussi présent. Ça veut aussi dire que de notre côté, on ne s'est pas bien préparé cette rentrée scolaire. Déjà, la forme
elle prouve à suffisance que les parents d'élèves n'étaient pas préparés. Est-ce que c'était mal réfléchi d'ouvrir les classes le 3 octobre? Parce que vous savez déjà que c'est le lendemain hein, de la fête anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, où on a quand même vu une mobilisation très forte et un engouement très fort de ce côté. Est-ce que c'était mal réfléchi ou, comme je l'ai dit tantôt, c'est le contexte économique actuel qui impose cela, cette réalité? Non, c'est le contexte économique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certains fonctionnaires jusque-là n'ont pas encore récupéré leur salaire. Et le CNRD, qui d'ailleurs sent une rupture économique, mais qui ne le dit pas. Et vous avez vu le ministre galérant dans l'esprit, mais également dans le... Oui, non mais sérieux, galérant même dans l'inspiration, a décidé d'ouvrir les salles de classe. Lui, personnellement, il sait, et d'ailleurs il le savait, que les élèves n'allaient pas répondre à cet appel. Ouais. En Guinée, quand on parle de 3 octobre pour l'ouverture, il faut s'attendre mais à un mois pour qu'au moins les cours normaux reprennent dans les écoles. Le ministre... Une habitude qu'il faut changer. Exactement. Quand même. Faut pas qu'on, il ne faudrait pas qu'on reste dans cette habitude, parce que c'est une mauvaise habitude à qui là. Les parents, nous payons. Si. Nous payons. Si. Le mois est déjà payé. Si les enfants ne partent pas, c'est vraiment compliqué. Vous savez, il y a une autre complication. On ne le souhaite pas, mais l'éducation guinéenne va très mal sentir si toutefois le gouvernement se cramponne sur sa décision de l'augmentation de salaire, parce que vous avez vu le syndicat du SLEG et les autres syndiqués d'ailleurs qui ont refusé les 20%, et puis on parle de l'ouverture. Un sac vide ne peut pas s'arrêter. Évidemment. Les enseignants vont venir dispenser les cours, mais ils ont faim. Et si les salaires ne sont pas aussi débloqués à temps, ça va aussi impacter ce qu'ils font, parce que c'est des enseignants, ils ont aussi les enfants, leurs enfants qui étudient. Mais si toutefois le gouvernement n'arrive pas à mettre la main dans la poche, ça va compliquer les choses. Le ministre Guillaume Awing doit revoir cette façon de gérer le système éducatif guinéen, parce que vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs que c'est un ministre copié-collé. Il veut se démarquer. Il veut se démarquer à tout Qu'est-ce moment. Que t'as contre Guillaume hein? Je n'ai rien. Tu cherches de petites occasions pour tirer à balle blanc hein, sur le ministre Guillaume. Je n'ai rien contre la personne de Guillaume Awing, mais quand même, c'est un ministre copié-collé. Alors parlons du ministère, on va laisser le ministre. Ce que docteur Bannon... Alors parlons du ministère. D'accord. Ok, il y a une lenteur au sein de ce département géré par Yaya, même si vous ne voulez pas que son nom soit dit, mais quand même, c'est lui le ministre, c'est lui la représentativité, l'image de ce département. Il a beaucoup à faire. Il a beaucoup à faire. En tout cas, cette rentrée que moi j'ai vue, c'est une rentrée moins salutaire et morose. Il faut revoir la forme pour au moins qu'on soit comparable à la France. Oui, je vais aller avec la réalisation. Nous allons suivre ce constat réalisé par Mama Aïssata Tawel Camara, ici même à Conakry, dans certaines écoles de la capitale guinéenne. On a quand même fait ce constat. Les élèves n'ont pas répondu présent. Mais avant même d'aller avec ce reportage, oui, et Yamoussa Cheikh Camara du siaminfo.com, il faut le dire, vous étiez sur le terrain, parce qu'il faut dire que Siam, c'est une grande équipe hein, sur le terrain. D'abord, le constat chez vous, hein, au-delà de la rédaction politique, au niveau du site, est-ce que vous avez fait la même remarque? Est-ce que cette rentrée a échoué, si on peut l'appeler comme ça? Pas d'échec direct, mais de façon... Pas d'échec, mais on a aussi été sur le terrain comme tous les autres. Et d'ailleurs, dans la commune de Matoto, présentement, ils étaient là. Mais ce que a rappelé tout à l'heure Akila, c'est paradoxal. Et là, mais ce que moi je ne comprends pas, c'est qu'on trouve une raison pour justifier également cette morosité dès la première journée de la rentrée des classes. Alors, si on savait que le 2 octobre allait être là, et on savait avec toutes les commodités possibles et toute cette décision qu'on avait eu à faire pour rendre la fête belle, puisque vous savez, c'est la première fois que ça soit célébré par le CNRD. Et puis on nous dit, moi d'ailleurs, tous les professeurs et tous les principaux d'école que j'ai eu à rencontrer me disent carrément que c'est parce que c'est le lendemain de la fête. Alors, vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que c'était mal réfléchi de la part des autorités éducatives pour dire que dès le lendemain de la fête, voilà, il faut appeler les élèves à répondre
présents dans les salles de classe. Bon, entre guillemets, moi je me dis c'est mal réfléchi. Très mal réfléchi. Très mal d'ailleurs. Si on savait cela, on savait que c'était la fête. Il ne fallait pas programmer les élèves. Mais autre point à souligner, c'est le manque à gagner avec cette rentrée exactement. Et puisque le constat était sans appel dans beaucoup d'écoles où moi personnellement j'ai sillonné dans la commune de Matoto. Un seul exemple, au lycée Léopold Sédar Senghor de Yimbaya ici, il y avait certaines salles de classe qui étaient vides et de tables bancs et d'élèves. J'ai des images ici, c'est affreux, c'est révoltant. Alors, ça se fait cette rentrée également pendant au moment où 5850 écoles sont sans latrine. Ça, je reviens sur les propos de Guillaume, mais oui, après le constat qu'il a fait oui, à mi-parcours. Oui, à mi-parcours, 5850 écoles sans latrine, sans point d'eau. Oui. Il y a un manque de 234 850 tables bancs, des infrastructures vétustes et de programmes vieillissants. Oui, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Ministre, ça ne vient pas de moi. Je rappelle ce que le ministre a dit. Oui. Je ne suis pas contre Win Guillaume et je ne dis pas qu'il ne fournit pas d'efforts, mais dans le cadre, par exemple, de la moralisation des examens nationaux, nous voyons que oui, l'effort il est là et puis le résultat il est palpable. Oui. Mais en ce qui concerne la gestion des classes intermédiaires, il faut dire qu'il a le manque à gagner. Alors, c'est devenu une coutume. Nous le savons. Ça, on ne peut pas mettre à son actif. À chaque année scolaire, on sait que les premières semaines de la rentrée des classes sont toujours moroses. Ce n'est pas un fait nouveau. Ouais. On ne peut pas condamner à Wing. Mais ce qui est condamnable, c'est qu'on savait que c'est le lendemain de la fête, c'était prévisible. Ouais. Et puis, on programme la rentrée scolaire pour dire aux gens que oui, c'est le lendemain. Et puis, la jeunesse est encore dans la fête. C'est la semaine de la fête qui continue. Ouais. Et est-ce qu'il faut trouver des donc, il faut revoir ce côté Abdallah. Bien, on va aller avec le constat fait par notre reporter Mamaï Setataouel Camara. On se retrouve tout à l'heure pour continuer le débat dans ce studio. Les élèves guinéens ont officiellement repris ce mardi le chemin de l'école. Au complexe scolaire Aïchaba de Yimbaya, sur 2800 élèves, quelques-uns seulement ont répondu à l'appel. Diene Keita tient la classe de première année. Vu 7h45, elle attend ses élèves, mais aucun ne s'est présenté. Les élèves ne sont pas venus. Jusqu'à présent, je suis à l'attente. Parce que dès l'ouverture, on doit commencer les cours. Mais si les enseignants viennent à l'école attendre les élèves, ça c'est pas bon. Comme Diene Keita, dans la cour de cette école primaire, les encadrants continuent de s'impatienter. Ils sont plus d'une dizaine qui se sont précipités pour dispenser les cours, mais hélas, Salif Camara est l'un des responsables de cet établissement. Nous savons tous que l'ouverture des classes, la première semaine, c'est la reconnaissance des salles de classe, généralement. Les parents d'élèves et les élèves souvent viennent à l'école pour reconnaître les classes. Et la deuxième semaine, ça devient une ouverture vraiment constructive. Donc déjà, tout est prêt dans les écoles. De là, nous nous sommes rendus dans une autre école privée de la place. Ici également, c'est presque la même réalité. Issa Yane fait la quatrième année. Il est déjà dans son établissement pour suivre ses cours. Moi, j'aime beaucoup l'école, quoi. Ma sœur me dit si je venais à l'école, de ne pas sommer à l'école. Quelle école est bonne pour moi? Je dois les prévenir de venir à l'école. L'école est bonne pour un enfant. Réviser, même si tu n'es pas à l'école, mais il faudrait venir à la révision. Toutes les écoles que nous avons sillonnées ce mardi sont en mesure de recevoir les élèves, même si certaines écoles publiques sont en manque criard de tables bancs. Le scanner, l'espace. Donc, nous venons de suivre ce constat fait par Mama Aïssat Ataouel Camara de la rédaction politique. Dans ce constat, on a l'impression quand même que ce soit dans les écoles privées ou dans cette école publique Hadja Aïchaba, il n'y a pas d'engouement des professeurs, des enseignants, des encadrants qui sont assis à l'attente des apprenants. Yamoussa Cheikh, c'est quand même déplorable, tu l'as dit déjà. Si nous devons redorer le blason du système éducatif guinéen, il faut aussi moraliser ses parents et ses élèves pour dire que l'échec
où le succès se prépare dès maintenant. On a un problème d'enseignants, il faut pas se leurrer. Mais il y avait quand même quelques anciens. Oui, mais à Conakry. Hein. Oui, à Conakry, je parle de Conakry. Parce on parle de Conakry, oui. Et c'est ça le mal, Abdallah. Oui. Et le mal est que partout où nous sommes passés, on nous dit que oui, les enseignants ont répondu à l'appel. Oui. Massivement. Oui. Et puis, on se gêne même pas, on se gêne pas. Oui. Et pourtant, à l'intérieur du pays, vous le savez, le constat, il est tout autre. Ouais. C'est l'épine sous le pied. Il est tout autre. Ouais. Les enseignants contractuels, d'ailleurs, qui servent de boussole de l'autre côté, n'ont pas répondu présent. En plus, boussole. Oui. Alors, non, mais n'ont pas répondu présent. Ils n'ont pas répondu à l'appel. La boussole n'y était pas. La boussole n'y était pas. Ouais. Et donc, ces enseignants-là, vous le savez, sont frustrés et ils ont décidé de rester à la maison. Parce qu'ils ont des primes qui ne sont pas payées. Et d'ailleurs, on avait promis comme quoi, dès la prochaine, avant même la rentrée, oui, c'est le premier ministre qui allait avoir la plus grande partie de leur arrivée des salaires, chose qui n'a pas été faite. Oui. Et donc, de l'autre côté, ça génère des frustrations. Oui. Et maintenant, et partout où nous sommes passés, on nous fait comprendre que oui, les enseignants ont répondu massivement à l'appel, ouais, pendant que ce sont les élèves qui sont restés à la maison et qui, cette morosité peut s'expliquer par la fête, la semaine de la fête. Par le manque de stratégie du ministre de l'éducation, bien sûr. qui se poursuit. Mais on va aller plus loin, Abdallah. Ouais. On va faire une large ouverture sur notre éducation. Oui. Là, nous le savons, il y a un problème. Et pendant que le ministre se tape la poitrine pour dire que cette année, l'année scolaire sera placée sous le signe de la modernisation du système éducatif, Awing l'avait dit avant-hier. Quelle modernisation ? Et il a encore rappelé, il l'a rappelé à Kindia hier, lorsqu'il a assisté à la cérémonie de l'ouverture. Je l'ai vu auprès de cette DPE qui était du côté de Fria. J'oublie un peu son prénom. Il a quand même raison. Ils vont moderniser le système éducatif guinéen en imposant une partisanerie pour que tout le monde soit à l'esprit de son président, Mamadi Doumbouya. Mais si, non. C'est leur manière. Mamadi est là pour une transition. C'est leur façon. Mamadi est là pour une transition. Attention. C'est leur façon de faire les choses. Il n'est pas sa première fois, Guillaume Awing, mais on le connaît quand même. Donc on ne peut pas nous parler de cet homme. C'est un ministre qui a manque de stratégie, il doit essayer de revoir sa façon de faire les choses, sinon sans quoi nous allons encore une fois vendre une éducation malade, un système moribond que nous avons toujours et d'ailleurs connu de par le passé, et c'est ce qui continue d'ailleurs, ce pays en restera toujours dans l'épopée de la démagogie, et voilà, dans cette surenchère, parce que quand on parle du système éducatif guinéen, le code QR n'avait d'ailleurs pas sa raison d'être. Les enseignants contractuels qui peinent quand même à retrouver le sens de la joie et de l'humour. Le premier ministre qui avait fait une fausse promesse que d'ailleurs je n'ai pas pris en compte dans ce studio, comme quoi ils allaient payer les arriérés de ces enseignants contractuels. C'est les mêmes personnes, bonnet blanc. Rien ne va changer. On va rester dans cette histoire aussi dramatique de telle qu'elle soit. Et c'est des hommes qui ne savent faire que l'éloge du président de la transition. Sinon, Yamoussa a tout à l'heure rappelé les dénonciations du ministre. D'ailleurs, ce n'était pas à lui de le faire, c'était au syndicat de le faire et remonter l'information au ministre. Mais quand vous nommez au sein de votre département des militants en lieu et place, des hommes intègres, ça va donner de tels exemples et de tels résultats. Aujourd'hui, si nous parlons du système éducatif guinéen, on devait faire l'état des lieux. Mais malheureusement, ce ministre qui est venu, il est venu avec un sac vide, avec une petite réflexion, il n'a pas su gérer cela et son bilan, le seul bilan qu'il a d'ailleurs, le bilan macabre de qui aujourd'hui, parce qu'il se tape la poitrine, c'est l'échec c'est un département, mais celui qui gère ce département, il faut laisser le ministre vivre, mais comment est-ce qu'il va vivre, c'est lui en lieu et place
Tu as un problème avec normalement dans un état sérieux, dans un état sérieux, ces ministres là qui se retrouvent aujourd'hui dans ce gouvernement ne pouvaient même pas gérer un poste de planton. Nous sommes en transition. Mais toi, tu es ministrable. Bah oui, mais ne sous-estime pas. Je ne suis pas en train de me sous-estimer. Je ne suis pas en train de me sous-estimer. Ministre, mais je te donne un exemple. C'est pas une diffamation. Il y a un ministre aujourd'hui qui se trouve à un jeune qui se trouve à la tête d'un ministère stratégique qui va, peut-être que vous allez comprendre le nom à travers les indications que je vais vous donner, c'est le ministère qui est chargé d'organisation et d'organiser les futures élections. À la veille, à la prise du pouvoir du CNRD, moi j'y allais, à la base des forces, du groupement des forces spéciales, il ne servait que des bactigels pour des étrangers, des personnes, des hautes personnalités qui venaient. Il a même servi de modérateur à travers les différents dialogues, les concertations organisées au Palais du Peuple. Tu y étais, tu le sais. Aujourd'hui, les ministres de la République, oui, chacun a son destin. Mais là, parlons, laissons tout cela autour de nous, parlons du résultat. C'est vrai que le ministère de l'Éducation est en train de faire des efforts. Ça, il faut le reconnaître. Oui, les efforts sont là, Abdallah. Moi, je suis d'accord. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas tout peindre à noir. Il ne faut pas voir le diable partout. Mais ce qu'il faut dire, notre éducation a un problème. Et oui, ça, ils ont hérité. La transition, elle a hérité de cela. Je ne sais pas de quel effort. Vous allez me parler. J'aurais aimé qu'elle en fasse une ouverture générale. Les efforts qui manquent de pelu. Ça n'en finit jamais. Les efforts qui d'ailleurs souffrent de sécitation. Je ne sais pas de quel effort vous allez me parler. Ce ministre là a besoin des paires de lunettes parce que jusque là il est effaré dans son département. Je suis d'accord quelque part avec cet endroit de voir. Mais ce que je veux dire, et c'est vrai, quand on parle de problème, il faut dire qu'il y a des avancées. Oui. Et c'est vrai, à Wing Avenue, il a trouvé tout ça sur place. Mais ce qu'on peut apprécier, de toute façon, le pont, le défi relevé en quelque sorte, c'est les examens nationaux. Oui, éviter ces fraudes massives. Éviter ces cas de fraude. Oui. On a compris, il a trouvé quand même des moyens, et s'il n'est pas l'homme providentiel, mais il a été celui qui a montré vraiment qu'on peut mettre fin aux cas de fraude en période d'examen. Oui. Mais quand cela ne tienne, c'est vraiment un résultat. Il a quand même insufflé cette nouvelle dynamique. Justement, oui, il faut mais quand cela ne tienne, il faut dire que le problème existe toujours et ça perdure. Et puisqu'on ne peut pas seulement se contenter de la prise des décisions telles que l'interdiction des perruques, l'interdiction du port et des robes courtes, des jupes mini, entre autres, et puis de casquettes. Ce ne sont pas seulement des décisions à prendre à chaque rentrée scolaire. Ces décisions-là y existaient. Mais c'est l'applicabilité qui manque. Sur le terrain. Sur le terrain. En ce qui concerne les voiles, c'est de la stigmatisation. Mais alors, tu vas souffrir de ce n'est pas seulement la décision qui a été prise. Ce n'est pas seulement ça, si on interdit des voiles, le port des voiles par exemple, ça c'est lors des examens. Mais moi je suis dans le cadre de la rentrée. Bien. De la rentrée scolaire, surtout de cette rentrée-là. Ouais. Les décisions premières ont été prises comme quoi on ne va pas porter de robes courtes, des jupes munies, entre autres. Mais ce n'est pas cela. Depuis, on ne va pas quand même rappeler Abdallah et tous les ministres qui ont géré ce département, cette maison à charge de l'éducation. Oui. Mais en commençant par Ibrahim Kourouma, Maurice Sangaré. Maurice Sangaré, K.O. Carré, c'est la plus grosse déception du ministère de l'éducation, Maurice Sangaré. Notre système éducatif guinéen, le département qui est à chérir, à chouchouter, qui est le département en charge de l'éducation, n'a jamais connu un ministre aussi bon que Dr Bannon. Mais malheureusement, ils se suivent à la queue leu leu. C'est des gens qui manquent de background. Ils n'ont pas cette serviabilité. Il faut revoir les choses. En tout cas, c'est une déception
total. Le système éducatif est dans l'agonie. Oui, je ne suis pas contre si vous dites que... Si tu dis oui, c'est son opinion. C'est ton opinion. Si tu dis que Bano... Et je l'adore ainsi. C'est le meilleur et je ne suis pas contre quand je vois Dr Bano en train de faire ses atalakous ces derniers temps. On ne sait pas ce qu'il veut. Le rêveur. S'il veut encore retourner aux affaires. Mais sur ce pont, j'aimerais signaler ceci. On a entendu des promesses qu'aucun ministre d'Alpha Condé ne sera aux affaires. Hein. Ouais. Même si quelque part ça a été violé. Il n'y a pas de recyclage. Il n'y a pas de recyclage. Mais ils ont recyclé. Certains. Mais on ne veut pas d'anciens ministres, le retour d'anciens ministres quand même aux affaires. Non, parce que, si ces anciens ministres sont compétents. Mais s'ils sont compétents. Mais quelles compétences on parle ? C'est une ancienne ministre d'Alpha Condé qui est évaluée. Et de l'alphabétisation aujourd'hui qui était au temps de Bano, ministère de l'éducation et de l'alphabétisation, au temps de Bano. Oui. Mais et voilà, ça y est, ça, c'était le même scénario, Abdallah. Oui. Il ne faut pas tenter de jeter des fleurs à un ministre ici qui a occupé un ministère comme le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'éducation, par exemple. Il n'a pas fait de résultat. Mmh. On a compris. Tout est centré. C'est comme le cadeau de Guillaume. Oui. On a compris. Tous les ministres. Il ne faut pas seulement taguer le ministre Guillaume comme le ministre des examens. Oui. Tous les ministres qui ont géré ce département en charge de l'éducation se sont penchés sur les examens nationaux. On dirait que c'était la seule priorité. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Le problème, c'est situé où ? C'est au niveau des classes intermédiaires, je le rappelais tantôt. Oui, le ministre l'a dit. Mais je vais vous rappeler, et je vais vous passer une information, et c'est vérifié. C'est vérifié. Est-ce que vous savez qu'au niveau des classes intermédiaires, on ne redouble pas ? Oui, dans les écoles privées. Notamment. Dans les écoles privées. Non, public, on peut comprendre. Tout comme privé, public. Non. Pourquoi ? Même public, on ne redouble pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure scolaire. On n'a pas d'école. Le ministre a rappelé, il y a eu un chiffre. C'est ce qui me fait mal. Le seul. C'est ce qui me fait mal chez vous. Oui, on va terminer. Quand vous parlez, le ministre de la paix. Mais il faut nous dire au moins, le ministre l'a rappelé. Oui, mais c'est pour te dire, il y a problème. C'est qu'au niveau des classes intermédiaires, on a notre moyenne ou pas, mais on passe. Et ça, le seul niveau, la seule évaluation où se trouve problème. Où le budget est voté, où il y a toutes les commodités, où on essaye de charmer la plus grande autorité, c'est au niveau des examens nationaux. C'est là où on essaye de miser tout notre effort pour dire qu'on est en train de travailler. Pourtant, il y a du lourd à faire. Et aujourd'hui, Awing est en train de faire des annonces. Ça ne se limite qu'aux annonces. Et tel que ça a été fait auparavant par les enseignants. Il faut aller au-delà. Au-delà des annonces, la parole, il faut être concret, actif sur le terrain. Bien. Et il faut se montrer au-delà de la communication. Puisque les classes intermédiaires ont besoin d'une certaine gestion très durable aujourd'hui. Ça ne se limite pas au niveau de la modernisation des systèmes. Il faut moderniser. Oui. Mais on est déjà dans la digitalisation depuis combien de temps ? Bien. Il faut numériser le système éducatif. On a entendu tout ça. Bien. C'est déjà compris, hein, Yamoussa Cheikh Camara, l'autre chroniqueur de cette émission, le scanner. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre invité de prestige. Nous parlerons justice, essentiellement de justice et tous ses contours. C'est avec Maître Paul Yomba Kourouma, juste après cette courte transition. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, avec conférence, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kenny Media. Le
Guyanais, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 dès 9h pour une longue minute de débat avec Abdallah Camara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, avec conférence, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kenny Media. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du pré-chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Media. Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 dès 9h pour une longue nuit. Le colonel Mamadi Doumbouya a-t-il pu réaliser son plus grand rêve qui est la justice, boussole de la transition? Nous posons le débat dans cette émission, le scanner, avec notre invité prestige, maître Paul Yomba Kourouma. Il est avocat, l'un des conseils du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumbarek. Il participe depuis le lancement du procès des événements du 28 septembre 2009. Il est au tribunal criminel de Dixine pour défendre son client, maître Paul Yomba Kourouma. Bonjour. Bonjour. Connu de tous, aujourd'hui vous êtes très célèbre dans le monde de la justice, mais il faut rappeler que vous n'êtes pas nouveau, vous êtes un doyen. Aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, que peuvent-ils retenir de maître Paul Yomba Kourouma? Parce que au moment, on a vu sous l'ancienne Conté, sous Alpha Condé, sous Moussa Dadis Camara, vous étiez encore plus percutant. Est très connu. Mais vraiment, c'est une grande joie pour moi que de me retrouver devant de jeunes mais talentueux et percutants journalistes, en jugé même par la densité et la teneur de votre questionnaire. Merci. La problématique soulevée, oui. C'est vraiment à saluer, à louer, à honorer. Une question très délicate vient de m'être posée. Oui. Que retenir de maître Paul Yomba? Sinon que cet homme venu d'une école villageoise qui s'est apprivoisé ici dans la capitale, pris de mains et forts, de beaucoup de tractations, de rejets et autres, mais qui a pu étudier, oui. Qui a pu étudier et qui s'en est sorti, et qui ne voudrait pas voir d'autres personnes dans le même état tel que je l'ai vécu. Oui. C'est là, pour cela, cette raison que je tends la main à beaucoup de personnes dans la ville, oui. Dans la capitale. Oui. Paul Yomba est un défenseur attitré de la justice, des droits de l'homme, du droit et de l'état de droit, oui. Qui a accepté même de se faire priver de sa liberté, d'aller en prison. De subir beaucoup de courroux, de colère de dirigeants, qui s'est vu privé même des honoraires, bien qu'ayant travaillé, mais qui n'a pas lâché prise et qui continue toujours de mériter de la confiance des clients. Finalement, des populations d'ici et d'ailleurs, parce que soudé mes idéaux au serment prêté depuis 1988, date de mon inscription au barreau. Voilà pour Yomba. Vous pourriez rappeler la date, s'il vous plaît, pour les auditeurs et téléspectateurs. Oui, j'ai été agréé le 3 mai 1988. J'ai prêté serment le 30 mai 1988 et je suis né un 5 mai aussi. Donc depuis 88, vous êtes dans la profession d'avocat. Vous êtes, il faut se le dire. Hein. Il faut le rappeler. C'est important pour ceux qui ne vous connaissent pas. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai eu une interview avec vous du côté du tribunal criminel de Dixine. Il y avait des Guinéens qui découvraient
Maître Paul Yumba, à travers son charisme, ses mots qu'il utilisait, son dictionnaire très très soutenu, parce qu'il faut le dire, si vous n'êtes pas très proche de votre dictionnaire, vous ne pouvez pas comprendre Maître Paul Yumba. Aujourd'hui, Maître Paul Yumba, puisqu'on parle de cette question justice boussole de la transition, vous êtes au corps même du procès des événements du 28 septembre. Un procès, moi je dirais très très médiatisé, pas qu'en Guinée, très très suivi, même par les instances internationales. Aujourd'hui, la Guinée est face à un défi énorme. Vous avez un autre défi qu'on va en parler tout à l'heure, c'est celui de tirer votre client de ce gouffre. Vous l'avez appelé tantôt dans une interview que vous m'avez accordée. Aujourd'hui, justice boussole de la transition. Est-ce que le président Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a pu réaliser son rêve à mi-parcours? Pour vous, homme de droit, vous magistrat, vous qui êtes inscrit au barreau depuis 1988, je le rappelle. C'est une question très délicate, très sérieuse. Si monsieur le colonel Mamadi Doumbouya a eu le mérite d'organiser ce procès, bien que très mal préparé, parce que les acteurs essentiels de la chaîne judiciaire que sont les avocats ont été marginalisés, ségrégés, ont été relégués au second plan au point de n'avoir même pas été pris en charge par le budget, ni par les partenaires, de notre pays. Oui. C'est un procès qui ne devait pas s'ouvrir réellement le 28 septembre, parce que sur le plan infrastructurel, vous constaterez que la bâtisse est loin de finir et que le jour même de l'ouverture, les travaux se poursuivaient, que nous étions dans des situations très inconfortables. Les avocats eux-mêmes devaient venir très tôt pour occuper les premiers sièges. Ceux-là même qui ont bâti l'édifice sont loin d'être payés. Seuls peut-être les magistrats ont bénéficié de l'attention de nos autorités, parce que en dehors de leur rémunération mensuelle très consistante, il y a les primes très sérieuses, et aussi ils logent dans un hôtel de luxe, avec tous les soins nécessaires. Les greffiers même sont mieux traités que les avocats. voyez-vous, il y a trop de non-dits. Ensuite, il y a on parle de l'impréparation, mais la justice telle que vous l'avez indiqué, si sur le plan de la tenue de ce procès, il faut saluer la bonne volonté du colonel Mamadi Doumbouya, bien que les techniciens qui l'entourent ne lui ont pas dit toutes les vérités en ce qui concerne l'ouverture de ce procès le 28 septembre. Et c'est ce qui fait aujourd'hui les difficultés du département au point de s'ériger en mendiant face à nos partenaires. Il a pu quand même rencontrer la bonne foi, la générosité, le patriotisme des avocats qui n'ont pas voulu fermer portes et fenêtres, qui sont épris de paix, de liberté, de justice, qui connaissent le prix de la liberté et qui tiennent compte des difficultés endurées par leurs clients au sein de cette maison centrale, en réfection d'ailleurs. Voyez-vous que le bailleur vient, il décoiffe la maison, le locataire est là, on ne demande pas de déménager ou d'aménager ailleurs, on ne demande même pas son avis, il vit dans un inconfort qui ne dit pas son nom. Donc pour le moment, le président est loin de réaliser ce rêve, justice boussole. Je crois que la boussole s'est abîmée il y a longtemps, elle n'existe pas. Voyez-vous, la CRIEF, les gens qui végètent des hauts cadres, qui ont leur
tous leurs avoirs, tout ce qu'ils avaient comme salaire et prime, qu'ils ont bancalisé, qui se trouve aujourd'hui gêné, des anciens ministres, des hauts fonctionnaires qui vivent aujourd'hui dans la mendicité pratiquement, ou de la générosité des personnes attentives à l'aide qu'ils leur ont apportée, on vous arrête et on vous demande de rester pour la recherche des preuves. Vous voyez même que la CRIEF, la magistrature elle-même, elle est assujettie à l'exécutif. Il y a eu que l'exécutif et le judiciaire ont formé coalition désormais contre le droit et l'état de droit. La Cour suprême, comme je l'ai toujours dit, est la sœur jumelle de la CRIEF. C'est-à-dire que nous sommes loin, nous avons reculé de beaucoup de degrés depuis l'avènement de ces militaires au pouvoir. Donc on a reculé, la boussole s'est abîmée, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Ali Badr Akila. Vu ces failles, est-ce qu'une recomposition de la CRIEF n'est pas nécessaire? La CRIEF en tant que telle, si elle ne doit servir que les intérêts de l'exécutif, c'est-à-dire du prince, si le mécanisme de son fonctionnement doit se limiter à l'arrestation de personnes gênantes, si l'enquête ne peut pas concerner les militaires qui, eux, sont tellement riches, on n'a jamais interrogé l'intendance, on n'a jamais interrogé la fortune de beaucoup de hauts cadres militaires, de ces généraux et autres. Personne, sinon que des civils. Alors, c'est dit que c'est encore très compliqué. C'est une justice sélective. C'est une justice sélective. Il faut vraiment. Si ce n'est que ça, la CRIEF n'a pas sa raison d'être. Elle n'a pas sa raison d'être. Alors, bien, Yamoussa, oui. Oui, maître, moi je me pose la question de savoir, si vous dites que le procès est mal programmé, est-ce que c'est parce que les avocats que vous êtes n'ont pas été pris en compte, étant donné que ce n'est pas la seule composante de ce procès? Et d'ailleurs, autre question, qu'est-ce que vous appréciez de ce procès depuis son ouverture? Non. Pas que nous ayons été marginalisés seulement, et ça seulement déjà suffit pour décrédibiliser un procès. Vous arrêtez des gens qui doivent aller au bagne, à la potence, au supplice, heureusement que la peine capitale est abolie, mais qui doivent perpétuellement vivre en prison. Vous en avez qui doivent avoir des peines modérées, mais vous les privez de des moyens de défense. Excusez-moi, j'ai l'atout. Oui. Vous les privez des moyens de défense. Vous omettez leurs avocats. Vous les mettez dans des conditions de travail très rudes, très difficiles. Vous ne mettez pas les ressources nécessaires à leur disposition, alors que 3 jours sur 5, ils sont à la dévotion du tribunal criminel. Ils ne peuvent pas gérer leur cabinet, ils ont des charges locatives, des charges salariales, des charges fiscales, des charges fonctionnelles qui sont incompressibles. Que ces avocats travaillent comme si c'était des ONG à but non lucratif qui travaillent près d'un an et qu'on ne leur appelle même pas les honoraires, qu'on ne leur appelle rien, et qu'on leur demande de continuer dans le bénévolat, alors que de l'autre côté, ils ont des contraintes. Mais ça même, c'est réduire l'avocat, le client, l'accusé, oui, au néant, et à le soumettre à une décision telle que le dossier se présentera devant le tribunal.
Le second volet de votre questionnaire, je veux dire... Et qu'est-ce que vous appréciez de ce procès depuis son ouverture? Mais de l'autre point, vous n'êtes pas des avocats commis d'office, vous avez des clients. Est-ce qu'il est dit qu'à 100% vous devrez être pris en charge par l'État? Ah oui, mais on nous a parlé de la loi, votée même sous le CNRD, avec précipitation d'ailleurs, portant aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle est celle qui est apportée à l'accusé pour organiser sa défense. Oui, l'aide juridictionnelle qui est valable pour les accusés. Oui, oui. Pour les accusés, pas pour les avocats. Le ministre lui-même, il l'a rappelé. Oui, oui, c'est ça. L'aide juridictionnelle, on alloue le montant aux accusés, les accusés le transfèrent aux avocats. Bien. C'est comme ça. Alors, c'est obligatoire, c'est une loi, elle oblige tous ceux qui vivent sur le territoire national, surtout le département de la justice, d'y faire face. Elle est obligatoire. Et c'est pourquoi je crois que le chef de l'État, si cet homme était vraiment imprégné de tout, si les techniciens autour de lui disaient toute la vérité, je crois qu'il aurait... Il aurait gagné du point. C'est lui encore qui a ordonné de budgétiser les avocats. C'est ça. Okay. Parce qu'il voyait venir un débrayage total à cette rentrée. Voilà. Alors vous appréciez quoi de ce procès depuis son ouverture il y a un an? Et parce que vous parlez, je vais directement rebondir sur sa question, parce que vous parlez de ces techniciens, faites-vous allusion au ministre de la Justice, Alphonse Charloy? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui n'a réellement pas marché, Maître Yomba? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce que je retiens de beau de ce procès, bien, c'est que l'Afrique est en train, peu à peu, de retirer à la Cour suprême, à la Cour pénale internationale, la CPI. Oui, oui, les compétences qui sont dévolues. Et nous sommes en train de voir aussi des magistrats qui ont beaucoup de tact, beaucoup de dons, beaucoup de talent, qui font montre de beaucoup de professionnalisme et dont la réputation est saluée tant ici en Afrique qu'ailleurs. Que même des pays arabes, de l'Arabie Saoudite en passant par l'Afghanistan, l'Iran, le Koweït, c'est des gens qui nous appellent chaque fois avec des interprètes pour saluer tous les mérites qu'ils recensent dans ces magistrats. Oui. C'est aussi le recensement des talents, tant au niveau de la défense, du parquet, de la partie civile. Oui. Nous sommes en train de nous dire que nous étions recouverts de bâches, et que ce procès permet de révéler beaucoup de potentiel et pourrait servir demain à tel ou tel pouvoir de placer qui de droit à la place qu'il faut. Nous avons des procureurs talentueux, le siège lui-même est comblé de grands magistrats. Les deux assesseurs qui entourent le président, qui encadrent le président, sont de grands chefs de juridiction et des procureurs de carrière. De l'autre côté, vous voyez le procureur Al-Ghassimo. Ouais. Hein, Al-Ghassimo qui n'est plus à présenter du côté de Dixine. On n'est plus à présenter. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment... ce qu'il faut vraiment tirer de ce procès, et aussi les populations soient informées de ce qui se passe, de ce qui s'est passé le 28 septembre, et elles sont elles-mêmes juges. Il n'y a pas que les accusés que nous sommes en train de juger, il y a aussi le tribunal qui passe aussi, qui est jugé, jugé par l'opinion nationale et internationale. C'est-à-dire que il faut un verdict sérieux, que les gens doivent vraiment revêtir le costume du sacerdoce et que ce procès doit
couronné. Oui. Bien, oui, par rapport à l'autre question hein, qu'il a posée. À qui voilà, par rapport à ce technicien, est-il un problème ou c'est sa façon de faire qui ne fait pas trait à ce que vous imaginez? Non. Vous savez, même dans l'architecture même, vous voyez que le ministère de la Justice vient en rang préférentiel après le président de la République, le premier ministre, il y a le ministre de la Justice. C'est un ministère sensible, c'est un ministère de souveraineté et ne doit pas être là qu'il veut. Il faut un sage. Il faut de vieilles personnes, pas pour dire que... On va l'écouter. Il faut beaucoup d'expérience. Il faut beaucoup d'expérience. Sinon, ce n'est pas la bonne foi qui lui manque. Mais c'est l'excès de zèle. Au point que nous pensons que nous sommes transportés dans un camp militaire. Nous connaissons un peu de la barbarie dans les actes, dans les choses, alors que c'est un ministère sensible. Quand je vois notre ministre des Affaires étrangères, je suis fier. J'aimerais un jour lui serrer la main. Je ne l'ai jamais, je ne connais aucun ministre d'ailleurs, à part Charles White qui a été magistrat. Je ne connais personne d'autre. Ousmane Gawal, ça, lui, je le connais. Vraiment, lui, je le connais. C'est votre ami. Oui, c'est vrai. Mais. Les autres, non. Je crois qu'il faut humaniser la justice. Il faut rassurer les gens que de les menacer. Il faut aussi éviter d'ouvrir trop de fronts. Il a trop de front, ça ne va pas avec les avocats, ça ne va pas avec les magistrats, ça ne va pas avec leur organe de gestion. Je crois qu'en lieu et place de sanctions, s'ils pensent que les gens sont insuffisants, c'est d'organiser des séances de formation, c'est de chercher des bourses, des stages, ainsi de suite pour ces personnes, que de les sermonner, de... Et parfois même à tort, quand vous voyez même les répliques des magistrats, vous vous rendez compte que finalement, on risque de faire passer notre bien-aimé pour, au ridicule, alors que sincèrement, il ne sait pas qu'il ne fait pas mal. C'est-à-dire qu'il le fait de bonne foi, il le fait de bonne foi, voilà. Mais ça ne va. Vous avez été commis hein, comme avocat, si je ne me trompe, du camp Kassori Fofana récemment, du Premier ministre Kassori Fofana. Dites-nous comment évolue cette affaire. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et que dit la CRIEF? Le cas Kassori Fofana est vraiment une grande problématique. Voici un homme qui a géré des affaires de l'État. Et qui s'est vraiment illustré dans beaucoup de domaines. Son arrestation même a touché beaucoup de gens. C'est pas mal que de l'avoir arrêté, mais de produire des pièces, des preuves. Parce que voilà quelqu'un, et c'est le premier, il sera peut-être le dernier, à avoir domicilié son budget de souveraineté au Trésor. Il pouvait le gérer comme il le veut. Il pouvait le sortir le même jour et le consommer, attendant l'échéance prochaine. Mais il a soumis aux lois de finances. On ne parvient pas à dire en quoi il a touché à un seul denier. Et il est arrêté. Pas de preuves. Il tombe malade et il a beaucoup de pathologies. La clinique Pasteur, il n'est gardé là-bas que pour les soins, les petits soins maintenant, parce qu'un rapport médical est déposé. Il est à la disposition de monsieur le ministre de la Justice, à la disposition du parquet, de la CRIEF et de tout le monde, même de la Cour suprême. Recommandation, nous avons déjà fait tout ce qui était à notre possible ici
Aucune officine en Guinée ne peut plus faire le reste du travail. Son évacuation sanitaire est de mise. Il le faut. Alors, M. Kassori qui prétend qu'il a une vision politique, qui ne peut vivre qu'en Guinée, ne peut pas aller se faire soigner et rester. Mais même s'il était accompagné par les forces spéciales, mais qu'il aille quand même, qu'on ne prive pas du droit aux soins. Voici quelqu'un qui ne vit que sur branchement. Les radiations et tout sont signalées sur les tableaux. Tellement de variations, pique des crises. Il saigne parfois. Mais les gens sont insensibles. On veut lui procurer une mort lente, comme pour dire qu'il est mort d'une mort naturelle. Ce chemin ne passe plus pour lui. Il ne peut être jugé parce qu'ils sont même allés le chercher. Il y a eu même il y a eu un ordre d'extraction le concernant. Oui. Mais quand les militaires sont venus, les agents sont venus, les gardes, et je crois qu'ils ont bien appris la stratégie de la baïonnette intelligente. Ils ont replié comme pour aller leur dire que l'homme que nous avons trouvé, à moins que vous-même vous veniez le débrancher et le porter dans une fourgonnette médicalisée, en tout cas ce serait sur un lipico qu'il serait jugé. Donc on a voulu vaille que vaille juger un malade qui ne profite pas de la plénitude de ses sens maintenant, qui délire parfois, et que même quand nous allons lui rendre visite, nous ne pouvons lui parler vu l'état dans lequel on le trouve. Voici cet homme qui est là. Nous avons déposé assez de demandes, des demandes de mise en liberté pour provisoire. On a même demandé qu'il aille se faire soigner à ses propres frais. Impossible. Voici le cas Kassori. Il nous préoccupe à plus d'un titre. Et les défenseurs des droits de l'homme, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et autres, les institutions de défense des droits de l'homme que nous avons ici, personne ne s'incline devant son cas. Il y a des préjugés déjà qu'on se fait de tout ce qui sont arrêtés. Mais qu'il y ait un dégel au moins, hein, des comptes. De leurs comptes, parce que ce sont les salaires, ce sont les primes qui sont là, et que les familles, les enfants doivent étudier. Il y en a qui ont des enfants à l'étranger. C'est très sérieux. Il faut un grain d'humanité, de justice dans ce que nous faisons. Et voilà encore un des griefs quant à l'état à la boussole dont on parlait. Exactement. Exactement. Cette boussole tant vantée, selon vous, parce que à vous entendre parler, on sent un maître Paul Yomba à visage crispé, déçu. Qu'est-ce qu'elle est devenue pour vous aujourd'hui, cette boussole? Elle n'existe pas. Elle a été dans le discours de prise de pouvoir. Oui. Mais ses orientations, nous ne savons plus. Aucun radar ne peut repérer cette boussole. Tant, si on la trouvait, elle est déteinte. Elle est... C'est fini. D'accord, parlons à présent de votre cet autre client, Aboubacar Toumba. Aboubacar Sidi Diakité alias Toumba. Qui était d'ailleurs au départ avec tous ces événements, qui était vu comme le principal accusé, et aujourd'hui après son passage à la barre, on a compris que oui, quelque part, il n'est pas le seul à accuser, le seul à qui il faut tirer. Aujourd'hui, comment il se porte et quelles sont ses relations avec son ancien président? Oui, Aboubacar Diakité, le commandant Aboubacar Diakité de Toumba, avait vraiment voulu que justice soit faite pour qu'il cesse de vivre à l'étranger, sous des préjugés
parce qu'on a pensé que tous ces crimes, toutes ces atrocités n'étaient que de son propre fait, oui. Et que personne d'autre ne pouvait agir. Une telle empreinte, de tels massacres ne pouvait avoir lieu qu'avec la bénédiction de Toumba. Alors, revenu au bercail, le procès ouvert, d'abord, tellement qu'il était marginalisé, on l'a privé de tous les droits. Le droit aux soins, depuis que Toumba est arrivé, il a développé cette hernie de la ligne blanche et d'autres pathologies dont on ne connaît pas les paramètres parce qu'il ne peut être, il n'a droit à aucun soin. Il ne peut sortir des lieux où il se trouve depuis qu'il est devenu, il a été transporté à la maison centrale. Quand un prisonnier lui a fabriqué un canapé imparfaitement raboté d'une place, il est en ces lieux. Toumba n'est sorti de la prison qu'à la faveur de ce procès. C'est-à-dire que quand d'autres avocats viennent, les clients sont extraits pour être dans un salon confortable pour l'entretien. Mais quand nous venons, on nous fait entrer dans la cellule. C'est dans ces conditions que Toumba a été préparé pour cette défense. On lui a donc empêché de se faire soigner. Depuis qu'il est là-bas, il n'a eu aucun soin. Même infirmier, il ne peut se réclamer d'aucun comprimé émanant de l'État. Il opère par automédication au point qu'il nous a demandé de ne plus en parler. De ne plus en parler, qu'il vivra sous la grâce de Dieu, et qu'il le supportera, mais qu'il voudrait que justice soit faite. C'est ainsi que même le droit au sport, c'est un grand homme des arts martiaux, c'est un homme rendu aussi par l'armée américaine, c'est un grand homme qui a été formé par l'Amérique. Il a beaucoup de potentiel. On lui a évité, empêché de faire le sport. Pour avoir essayé une fois les exercices, il a eu cette inflammation-là. Et il faut nécessairement être opéré. Toumba se saigne. Il se saigne. Parce que c'est une enflure qui est là. Alors aujourd'hui, comment se porte-t-il? Et il a quel état d'âme après tout ce qu'on a vu avec ce dernier? Tout ce qu'on lui a fait subir. Oui, mais cliniquement, il se porte bien. C'est-à-dire que quand on le voit, Toumba se porte bien et il cherche à ragaillardir son âme, à raviver la flamme, à vivre dans l'espoir, dans l'espérance que la justice aussi sera faite. Il est venu se présenter et il a essayé de prouver qu'il est aussi un humain, que les armes qu'on lui a données ne pouvaient être retournées contre le contribuable qu'il a mis à sa disposition. Je crois qu'il est cru par le grand monde, par le grand public, et que grâce à lui, le langage de la vérité a commencé à se tenir. Et je crois que sa disculpation, en tout cas, l'essentiel des accusés, l'essentiel est déjà passé. Aucune partie civile ne parle de cet homme, au point que vous voyez notre silence dans la salle, parce que nous ne sommes en rien dérangés. Toumba n'a porté la main sur personne. Il est parti au stade pour rechercher son patron qui ne voulait plus de lui. C'est pas trop tôt de le dire, maître, que Toumba n'a porté la main sur personne, c'est pas trop tôt de le dire? Oui, puisque le procès criminel est en trois phases, il faut le rappeler. On a la phase de comparution, ce que nous sommes en train de faire. Il y a la confrontation et derrière, il y a les plaidoiries. Donc, est-ce qu'on ne va pas vite en besoin, le fait de dire Toumba? Je sais que vous êtes dans votre rôle. Comme on le dit, le magistrat viendra dire le droit, mais l'avocat va manipuler les textes de loi pour que son client s'en sorte. Ouais. Toumba a déjà franchi un grand verrou. C'est le verrou de l'accusation. C'est le passage des gros morceaux, le passage de Dadis, le passage de Kebro, le passage de Marcel, le passage de Colonel Diaby et autres.
ça c'était des personnes que nous attendions. Hein? Blaise Goumou, qui en vain est parvenu à... n'a pu... voilà. toucher et gratigner Toumba. Parce que Toumba vit dans la vérité, il sait qu'il sera affranchi par la vérité. Et chaque fois qu'il parle, il prend à témoin des gens dans le box et provoque même la contradiction. Alors, la confrontation dont vous parlez ne sera issue que des débats que, du passage individuel à la barre des accusés que nous avons vu. Donc, si eux n'ont pas pu le toucher autrement, je ne pense pas que des confrontations aient lieu sur des choses qui n'ont pas été dites ici, là-bas. Oui. Maintenant, l'autre question, c'est parlant de vous. Hein, il faut le dire que vous avez été plusieurs fois sollicité à la tête du ministère ou des ministères que vous avez refusé. Il faut le rappeler avant Dadi, si je ne me trompe, si j'ai bonne mémoire, vous avez quand même échappé à plusieurs tentatives de meurtre ou votre vie a été menacée à un certain moment. Est-ce que pour ces auditeurs et téléspectateurs, vous pourrez revenir sur ce pan de votre histoire? Parce que Paul Yomba, tout n'a pas été rose dans sa carrière. Paul Yomba avait attendu un décret qui n'est jamais sorti à une époque, on nous apprend. Il a même été menacé. On l'a retiré même, si je ne me trompe, son logement ou quelques biens matériels qu'il possédait. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Paul Yomba peut faire un petit point, nous faire un petit point pour ses auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent sur ce pan très important de votre histoire? Ah, il faut dire que chaque fois qu'on m'a interrogé sur l'état de droit, je me suis dit qu'il y a eu beaucoup d'évolution. L'état de droit dans notre pays a beaucoup progressé, beaucoup même. J'ai suivi de grands procès, de très grands procès, le procès des 2 et 3 février, la mutinerie. C'était très sérieux, très sérieux. Je crois que je me suis rendu à Kassa pour vivre les atrocités. C'était à mes risques et périls. J'ai porté assez de risques. Hein. Oui. J'ai bravé. Parce que je me souviens qu'un jour, j'étais avec Maître Sidram pour défendre Sékou Swapé. Alors, Sékou Swapé avait été kidnappé en ville vers le petit bateau par des inconnus. D'enquête en enquête, on s'est rendu compte qu'il était dans le sous-sol du petit palais. J'ai demandé à Maître Sidram, feu Maître Sidram, On parle du même Sékou Swapé Kourouma? Oui, c'est le même. Bien. Que nous allions lui rendre visite. D'abord le repérer, ensuite savoir pourquoi là. Mais Maître Sidram a tout de suite décliné. Moi, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit que je partais moi-même et que s'il m'appelait plusieurs fois que je ne répondais pas, qu'il se dise que je suis arrêté et qu'il le dénonce aussitôt. Oui. Alors, je suis allé. Chaque fois que vous entrez, on dit accès interdit à toute personne étrangère au service. J'ai bravé tous les accès, les interdits. Et je me suis retrouvé nez à nez avec M. Tidiane Camara, qui était le directeur du service de renseignement. Oui, de la présidence de la République. À l'époque. Oui, de l'époque. Alors, je lui ai dit de me sortir ce monsieur, je lui ai dit, il est là. Alors, finalement, il a reconnu, il m'a donné sa carte. Et le lendemain, c'était les événements de janvier-février. Parce que s'il ne sortait pas ce jour, il serait resté là pour le bon. Donc c'est pour nous dire qu'au sous-sol du palais de la Colombe... C'est un lieu de torture. C'était un lieu de torture, de détention. Actuel palais. Oui. Actuel palais du président colonel Mamadi Doumbouya. On parle du même lieu. Le petit palais, la primature. Palais. La primature. Okay. Ouais, parce que là, ces deux palais sont proches. Le petit palais, c'est la primature. Il y a le palais de la colonne. Le sous-sol a été un lieu. Il n'y a que de l'acoustique. Vous pouvez crier. Criez. Vous égosiez. Personne. Bien. Allez-y, maître. Alors,
j'ai réussi à le sortir de là, participer au procès du professeur Alpha Condé. Ah, c'est un procès qui m'a... Qui vous a coûté. M'a beaucoup coûté. Oui. Qui a entravé ma carrière. Qui... J'ai été l'avocat que l'agent judiciaire de l'État à l'époque a choisi pour la restructuration de la Banque Populaire Maroco-Guinéenne quand la BIAG a été liquidée. J'ai travaillé sur le dossier pendant 16 mois. J'ai procédé à plusieurs saisies immobilières. Je devais avoir droit, le ministre Wolf-Romont de l'Habitat, l'architecte, il en est informé, à plusieurs saisies de grands immeubles de cette taille. Hein? J'avais droit à 10% sur chaque entrée d'argent ou chaque saisie. Je devais être l'avocat le plus nanti. Je crois que je pourrais rivaliser avec des commerçants. Oui. Avec des commerçants. Mais à cause de ma prise de position pour Alpha Condé, revenu de Pinay, à cause du fait qu'on n'a pas pu me dissuader, me corrompre, j'ai perdu mes honoraires. J'ai gardé le dossier et la constitution qui m'a été faite par l'agent judiciaire, me disant qu'un jour Alpha Condé monterait au pouvoir et qu'il me payerait cet argent parce que c'est l'État. Alors, est-ce que vous avez été payé par Alpha Condé? Surtout ce temps, monsieur. Voilà. Parce que lui aussi, il est finalement venu au pouvoir et il a fait plus de 10 ans. Mmh. Avec lui, comment ça a évolué également? Surtout ce temps que vous avez voyait. Tant défendu, oui, bec aux ongles, il est venu au pouvoir. Cet homme a fait, il s'est métamorphosé. Est-ce non, que mais finalement, on va répondre lui-même. Est-ce que on va laisser. Non, on va pas dire. D'accord. Non, on va répondre. On va répondre. Cet homme qui est venu, au pouvoir, est-ce qu'il vous a finalement dossier? Merci. Est-ce qu'il vous a payé d'abord vos honoraires? Voilà. Allons graduellement pour ne pas aller mêler les pinceaux. Mêler les pinceaux, c'est important. Oui. J'en viens aux honoraires, mais c'est pas tout. Oui, allez-y. C'est que on va écouter toute l'histoire. C'est important. Le président Lansana Conté m'avait donné de l'argent, mais via agent judiciaire de l'État. Je devais aller chercher l'argent là-bas. Qui était l'agent judiciaire de l'État à l'époque, maître? Comment il s'appelle? Il est le directeur des affaires judiciaires actuellement au ministère de la Justice. Vous parlez de Sampil? Non. C'est son ami de Sampide. Okay. Sampide était ministre de la Sécurité à l'époque. Oui, oui. C'est monsieur. Allez-y, on va se retrouver peut-être dans le débat. Je ne suis pas allé chercher l'argent. Pourquoi? Non, je n'ai pas travaillé pour l'avoir. c'est l'enrichissement sans cause. Bien. Hein, c'est de l'indu. Bien. Ça avoisine la corruption. Ok. Ouais. Alors, donc vous n'avez pas voulu prendre ce honoraire parce que tout simplement vous n'avez pas conduit à terme le dossier. Non. On voulait me faire taire dans le dossier Alpha Condé. Bien, là je suis d'accord. La précision elle est importante. Oui, on voulait me faire taire dans le dossier Alpha Condé. Qui a payé cet homme? Vous dites que c'est le président. Le chef de l'État lui-même qui a déposé cet argent. Parce que quand la voix de l'Amérique. C'est la voix de l'Amérique et à Léonard Saillot qui m'avait accordé une interview. Mmh. Mais 5 minutes après, il a interrompu l'émission et s'est excusé au milieu des nombreux auditeurs pour leur dire que ce serait le seul élément de l'information. C'est en cours d'interview là que ils sont allés remettre la radio au président. On dit, écoutez, lui. Et le président était dans tous ses états. Oui. Ça, c'est un de ses ministres qui le dit plusieurs années après. Et il le dit même sous le CNRD maintenant. D'ailleurs, c'est sous le CNRD qu'il a délié la langue, pour le dire. Un de ses très proches ministres. Alors, il dit, non, mais Paul Yomba ne peut pas prendre mon argent et se comporter comme ça. Ce ministre lui dit, président, aux dernières nouvelles, il n'a pas touché à l'argent. Il dit, ah non,
il n'a pas touché, faites-le venir. Là aussi, pendant une semaine, je ne suis pas allé. Les sages m'ont dit, allez-y, refusez ce qu'il va vous proposer, mais allez-y quand même, ça dit le chef. Oui. Voilà. Donc, la rencontre avec le président, il dit, mais toi, tu refuses l'argent? Ce monsieur est celui qui m'empêche de dormir. Et si vous le mettez à la tête de votre pays, vous allez le regretter. Il me dit, je vais écoutez, vous nommer. Maître, on va reprendre, on va peut-être faire un retour. Hein, c'est important cette phrase. Le président, feu l'ancien Conti à l'époque, oui. Vous a conseillé de ne pas défendre le président Alpha Condé, parce que s'il venait à la tête de la nation, il allait vous décevoir et décevoir tous les Guinéens. C'est ce qu'il a dit, je répète juste vos propos. Tout à fait. Bien, on peut continuer, maître. Il me dit, bon, ben, je vous nomme. Je dis à la présidente, ce ministre était encore, moi je ne savais pas qu'il était ministre, ce monsieur qui était là. Bon, je dis, président, je crois qu'il faut me consulter avant de me nommer, parce que si je ne viens pas à la passation de service, ça va vous faire mal. Vous l'avez dit ouvertement. Oui. Il a pris le téléphone, en ce moment c'était... Oui, on tourne avec le numéro. Oui, oui. Oui. Il a appelé le ministre de la Santé, Naman. À l'époque. Etc. Oui, oui. Il dit, Naman, je t'envoie à Paul Yomba, tu prépares un bulletin d'évacuation sanitaire pour lui et pour le pays de son choix. Ça dit que moi, je devais me rendre malade en cours de procès. Ok, pour pouvoir sortir du pays. Une ambulance m'aurait conduit dans l'avion. À l'avion et puis voilà. Pour ne pas défendre Alpha Condé, c'était oui. Juste un jeu, ouais. Une stratégie mise donc, en place à l'époque. Il me dit, l'ambassadeur s'occupera du pays que tu auras choisi, s'occupera de ta domiciliation et de ton compte. Là aussi, je ne suis pas allé voir le ministre. Ça lui a fait mal. Il y a eu les événements du 19 janvier 2005. Ils ont tiré sur son cortège à Nko 5 au niveau des rails, précisément. Donc, M. Moussa Sampil est entré dans le jeu avec Termite. Oui. Oh là là. Avec Termite. Termite Mara. Termite Mara. Le même Termite qu'on connaît. Oui, de l'Interpol. Oui. Il fallait trouver quelque chose contre Paul Yomba dans cet événement. Oui. Je défendais Sékou Swapé, comment il s'appelle, le co-détenu de Alpha Condé là, le maire de Lola à l'époque. Alors. Allez-y. Oui. Lui, il était allé au Lynx pour une interview. On devait l'arrêter là-bas. Moi, j'étais déjà suivi. Mon téléphone était sur écoute de 2000 à 2007. Mon téléphone était sur écoute. Alors tous ceux qui m'appelaient, je dis, ben, je suis sur écoute. Je suis sur écoute. Alors, c'est ainsi qu'ils sont allés m'arrêter à 3h du matin chez moi. Oui. J'ai vu par la fenêtre les gens entrer dans... J'étais guidé par une dame que j'avais logée d'ailleurs, hein? J'étais dans des annexes, et je les ai vus par la fenêtre. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, on vient pour m'arrêter. Je me suis très vite habillé parce que le lendemain, je devais aller à Dalaba pour une audience. J'ai eu la chance parce qu'on m'aurait arrêté pour dire soit que j'ai fui ou qu'on m'abatte, on n'allait pas m'abattre. Oui. Donc, je me suis habillé et je lui ai donné les différents numéros, RFI, BBC, le bâtonnier, je lui ai laissé les numéros. Au cas où oui. On vous a arrêté. Oui. Ils sont venus, j'avais un gros chien, mais qui dormait au salon. Ils ne le savaient pas. Quand ils sont venus, il a fallu que je calme le chien pour qu'on m'arrête. J'ai demandé le mandat, on m'a dit, maître, si on vous a respecté jusque-là, si on respectait les termes de notre arrivée, je crois que vous seriez déjà dans les chaînes. Sortez, on va partir.
ils ont coupé la lumière et madame est sortie. Elle dit, alors, mais vous ne pouvez pas le transporter comme ça. C'était AG1745. L'immatriculation du véhicule. Depuis 2005, ça est resté là. Alors, elle est venue prendre le numéro d'immatriculation. Et puis, ils ont dit, il y a un des messieurs de la BRB, le commandant, il a dit, ben, mettons-lui à la cabine. Il dit, ah non, c'est un prisonnier. Derrière. Je descends et puis je m'assois à côté d'une dame métisse qui avait son enfant qui dormait sur ses pieds. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une malle cantine remplie d'argent qu'ils sont allés déposer dans un motel à Lambayi. Mmh. Or, la femme là, le bâtiment était contigu à celui de la femme chez qui, celle qui était préparée. Oui. Alors, elles étaient toutes des métisses. Alors ils sont allés frapper à la mauvaise porte, la porte de celle qui n'était pas au courant de l'affaire. Ils sont venus me chercher et je me suis assis, arrivé au pont de Kobaya, le virage. J'ai dit, mais madame, vous aussi? Elle me dit, mais on me dit que Paul Yomba et Antoine Bogolo Soromou, voilà, c'est son le nom, maire, oui. Le maire, devait venir... payer les auteurs de l'attentat contre le cortège du général Lansana Conté. Alors, je n'ai pas voulu lui dire que c'était moi, Paul Yomba. J'ai dit, mais ils sont comme ça. Et puis, c'est comme ça, nous sommes arrivés. Tout le dispositif était déjà là, la DPJ. Ils avaient toute la nourriture, hein, tout le petit déjeuner, tout était là. Dès qu'on est arrivé, il a vu la dame termite. Parce que quand on allait, il y a un certain Mansaré qui travaillait avec Keboro, oui. Commissaire Mansaré. Celui-ci dit, monsieur le directeur, le colis est avec nous. Il ne comprenait pas. Il dit, Paul Yomba est avec nous. Nous allons aller prendre Ben Pepito. C'est un journaliste de la Lance. C'est lui qui couvrait nos activités. Mais lui, il était déjà... Il dit non, lui, il est déjà arrêté. Il est à la BSIP. Oui. Et puis, c'est comme ça que j'ai été conduit à la chose. Et dès qu'on est arrivé, il dit, ah non, il a frappé à la mauvaise porte. Vous avez frappé à la mauvaise porte. Mon interrogatoire a commencé jusqu'à 11h57 le lendemain. Mon interrogatoire était là. Dès qu'on est arrivé, Termite Mara a appelé le ministre de la Sécurité, Sampide, Moussa Sampide, et il a déposé le téléphone. Ça dit que le ministre de son bureau suivait l'interrogatoire. Oui. Et c'est moi qui ai fait que le général Toto n'a pas été arrêté. C'est comme le journaliste fondateur du Lynx là. Parce que, le doyen Diallo, c'est ça? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Donc, de là à 0h, le lendemain, le même jour à 0h, ils ont envoyé une voiture banalisée, les voitures qui transportent les plantes médicinales et autres, là, dans les marchés, là, les taxis. Les kangourous, non? Les petits taxis là, okay. Les femmes en bas des écorces d'arbres là et autres, ils ont fait entrer ça dans la cour de la sûreté, tout ça pour brouiller les recherches. On m'a réveillé, je somnolais, on m'a réveillé, on a tourné dans Kaloum 3 fois et puis on m'a fait entrer à la sûreté. Dès qu'on est entré dans la sûreté, on m'a mis dans le bureau du commandant et le commandant est sorti pour en savoir plus. Il y avait le téléphone, j'ai appelé madame et je lui ai dit de dire que je ne suis plus de l'autre côté, je suis à la sûreté. Alors, c'est là que la BBC, oui, la BBC, tout le monde a relayé l'information et voilà. Nous sommes restés
Et finalement, c'était sous Maître Kabilé qui était notre bâtonnier. Oui. Il s'est beaucoup employé avec les membres du conseil des avocats parce que on voulait me, je devais être poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Oui. Oui. Donc, je n'ai pas été payé encore. c'est très sérieux l'état de droit. Il faut laisser la peau. Hein. C'est que jusqu'ici, vous n'avez jamais été payé. Oui. Même avec Alpha Condé. Avec tout ça. Et puis, c'est pas tout. Mmh. Chaque fois que j'occupais un cabinet, on venait dire « Ah, merci beaucoup d'avoir logé l'ennemi du général. Merci beaucoup. » Le lendemain, le monsieur m'a dit « Bon, maître, vraiment, excusez-nous. » Il est arrivé un moment où je n'avais le cabinet que dans le sac. Et pour ceux qui pouvaient me croire, j'avais tous mes cachets, soit à la maison, soit là. Et finalement, on m'a repoussé jusqu'à Bambeto où je suis resté et j'ai pris beaucoup de plaisir. D'abord, je suis devenu un ami de l'Axe. Mmh. Bon, ensuite... Vous êtes auprès d'un ambassadeur de l'Axe, donc ça fait deux hommes de l'Axe. Allez-y. Hein? Ensuite, ça m'a beaucoup réussi, Bambeto. J'ai passé au moins 14 ans. Hein? 14 ans. 14 ans. Oui, oui. Alors, trop de choses. La mutinerie, donc, c'était très sérieux. Le procès du professeur Alpha Condé. Alors, ben, tous les grands procès. Je n'ai pas voulu céder à quoi que ce soit. Oui, maître, avant de vous laisser peut-être de prendre deux ou trois questions, c'est pourquoi maintenant vous avez refusé tout poste ministériel en République du Guinée. Vous dites que vous consacrez votre vie essentiellement à la défense des causes perdues. Et pourquoi vous pensez que c'est seulement les vieux hommes, hein? C'est pourquoi vous pensez que c'est seulement les vieux hommes qui doivent gérer le département de la justice? Non, je suis en train de dire... Ou des personnes mûres d'expérience. Aux États-Unis, la Cour suprême, on appelle les gens les sages. Hein? C'est-à-dire qu'il y a certains postes de responsabilité. Je ne suis pas en train de dire que la jeunesse doit être marginalisée. Non. Mais il faut capitaliser une somme d'expérience pour certaines choses. Parce que le jeune, il frappe à tout coup, hein, à tout bout de chemin. Il y a cette fougue qui existe. Oui, on ne pardonne pas. mais quand le sage est là... quelqu'un faute, d'abord il dit bon, alors c'est le fils. Mais la loi ne pardonne pas. Oui, il doit dire c'est le fils d'une dame, d'une vieille dame. Il y a cette réflexion. Oui, mais la loi ne pardonne pas. Hein. Non, ben là. Non, mais attention. La sagesse. Mais la maître, par rapport à l'autre question, avant de vous laisser partir, parce qu'on est vraiment pris par le temps, on remercie la direction générale qui nous a accordé 5 minutes de plus. Pour cette dernière question, pourquoi vous ne voulez pas vous engager dans l'administration publique? Quand je parle de l'administration publique, occuper un poste ministériel, vous préférez rester magistrat à vie ou avocat à vie? Vous l'avez dit dans une interview que vous m'avez accordée. Est-ce que vous changez d'avis aujourd'hui? Je suis vraiment l'avocat dans l'âme. C'est le stade le plus élevé de la hiérarchie humaine. Hein? Les chefs d'État terminent entre les mains des avocats. Donc le stade terminal. C'est les architectes, les pilotes, les administrateurs financiers, les banquiers, les hommes d'affaires, les chirurgiens et autres finissent dans le cabinet des avocats et ont d'ailleurs pour conseil des avocats. N'est-ce pas? Si moi je dois servir dans l'administration publique, on négocie. On doit négocier parce que je peux démissionner à tout moment pour regagner mon cabinet. Je pourrais démissionner pour cause d'utilité publique. Je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas entièrement la porte. Mais ça sera sous réserve de négociation. Donc, Maître Paul Yumba Kourouma, avocat, ça a été enrichissant le débat. Merci d'être passé sur cette antenne dans cette émission. Et on sait que, hein, nous sommes sûrs que ça ne sera pas la dernière, très très sûr. On se reverra très bientôt puisque les dossiers sont en cours. On a le dossier Kassori Fofana, le capitaine, le commandant Aboubakar Sidiki qui a quitté et d'autres dossiers que vous tenez que nous n'avons pas voulu aborder ici.
On espère vous revoir très bientôt. Merci d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Ali Badr Akila, merci. Merci. Merci à Moussa Cheikh Camara, l'autre chroniqueur, j'aime le dire comme ça. Merci Abdallah. Merci à l'équipe technique du jour, dirigée par Omar Diallo, la direction technique, à Michel Wamounou, notre infatigable, le réalisateur infatigable. À la régie télé, nous ont accompagné Robert Kourma, Melika Sita Otayek et Hassan Nasso à la radio L'Homme de Nuit. Hein, moi, je l'appelle comme ça, c'est un sans con, hein, l'homme de nuit. Merci de nous avoir accompagnés. Merci à ses fidèles auditeurs et téléspectateurs. On se reprend demain, même fréquence, avec la même énergie, histoire de vous servir, parce que vous êtes dans un média du développement. À demain, et surtout, restez en compagnie du reste de nos programmes. C'est Kavi Média, le média du développement.